Bonjour les enfants, vous êtes les bienvenus dans votre école HBL privée. Bonne chance. Ça va les enfants? Je suis heureuse de vous présenter une nouvelle leçon de pré-maths. Allez, soyez attentifs. Maintenant, on va chanter un chant. 1, 2, 3, j'ai du chocolat. 4, 5, 6, un super église. 7, 8, 9, un bonbon tout neuf. 10, 11, 12, j'ai sali ma blouse. Allez, maintenant, une petite révision. On va compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Coucou! Bonjour les enfants! Comment allez-vous? Je m'appelle Yassine. Salut les enfants! Comment allez-vous? Moi, je m'appelle Yasmine. Bonjour Yassine, bonjour Yasmine. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon. Cette leçon, on va apprendre deux notions dans cette leçon. Alors, on va apprendre la notion long et court. Long et court. Allez, fais attention, Yacine. Fais attention, Yasmine. Regardez cette lettre, cette règle, pardon. Regardez bien cette règle. Voilà. Alors, comment est cette règle? Allez, Yasmine. Cette règle est grande. La règle blanche est grande. Yassine? Et la règle bleue est petite. On peut dire ça, oui. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons voir deux nouvelles notions, long et court. Alors, ces deux règles, il y a une règle qui est longue et une règle qui est courte. La règle blanche est longue. Et la règle longue, alors elle mesure 30 cm. Regardez bien avec moi. Et la règle bleue mesure 20 cm. Alors, la règle blanche est plus longue que la règle bleue. Répète Yasmine. La règle blanche est plus longue que la règle bleue. Très bien. Toi, Yacine, tu vas répéter, la règle bleue est plus courte que la règle blanche. Allez, donnez-moi un exemple. Oui, Yacine. Très bien, des crayons. Un crayon vert et un crayon orange. Le crayon vert est plus long que le crayon orange. Et le crayon orange est plus court que le crayon vert. À toi, Yasmine. Allez, donne-moi un exemple. D'accord, maîtresse. Ah, j'ai une idée. Regardez, regardez les enfants. Regardez les cheveux de Yasmine. Regardez les cheveux de Yasmine. Ils sont courts. Les cheveux de Yasmine sont courts. Vous avez vu? Les cheveux de Yasmine sont courts. Et moi, mes cheveux, regardez les enfants, mes cheveux. Oh, j'aime mes cheveux, ils sont longs. Mes cheveux sont longs. Alors, mes cheveux sont plus longs que les cheveux de Yacine. Bravo! Yasmine, c'est un très bon exemple. Très bien. Tes cheveux à toi sont plus longs que les cheveux de Yacine. C'est très très bien. Bravo, un très bon exemple. Maintenant, nous allons jouer un petit jeu. Je vous ai préparé quelques bandes de différentes couleurs et à vous de les classer du plus grand, de la plus grande bande jusqu'à la plus courte. Allez, à vous les enfants. Maintenant, à toi Yasmine, tu choisis la plus longue parmi ces bandes. La bande rouge est plus longue que toutes les bandes. Très bien. La bande rouge. La bande. Oui, la bande rouge est la plus longue
des autres bandes. À toi, Yacine. Allez, maintenant, oui, choisis la bande la plus longue. Très bien, Yacine. La bande noire est plus longue. Regarde, maîtresse. Maintenant, la bande rouge est plus longue que la bande noire. Et la bande noire est plus courte que la bande rouge. Très bien. Allez, maintenant, à ton tour, Yasmine. Parmi ces trois bandes, quelle est la bande qui est plus longue? Très bien. La bande bleue est plus longue. Et toi, Yacine? La bande jaune est plus courte maintenant parmi les autres couleurs. Et la dernière maîtresse, c'est la bande blanche. Elle est la plus courte de toutes les bandes. Bravo. Maintenant, on va faire un petit exercice. À toi, Yacine. Tu vas classer ces chenilles de la plus courte jusqu'à la plus longue. Allez, Yacine, bismillah. C'est bien, réfléchis, c'est bien, prends ton temps. Choisis la plus courte et tu la mets en haut de la page. Allez, Yacine. Très bien, bravo, Yacine. Tu prends ton temps pour comparer les chenilles. Oui, Yacine, c'est très, très bien. C'est la deuxième. Tu la classes la deuxième, très bien. Allez, la troisième, très bien, bravo, c'est très bien. Allez, tu compares les trois autres chenilles, choisis une maintenant. Bravo Yacine, c'est très bien, tu es un beau garçon. Allez, à vous les enfants, à vous de classer vos chenilles, tout doucement. Bravo Yacine, tu as bien classé tes chenilles. Allez, maîtresse la plus courte. Et en haut, et la plus longue est tout en bas. Bravo Yacine, la plus courte est en haut, et la plus longue est tout en bas. C'est très bien Yacine, bravo pour toi, bravo, 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 bravo. Très bien Yacine. Maintenant, à ton tour Yasmine. Toi, tu vas classer les crayons de couleur. Oui, allez Yasmine. Du plus long, pardon, au plus court. Allez, très bien, Yasmine. Je vais prendre le crayon bleu. C'est le plus long. Je vais le classer le premier. Après, le crayon de couleur rouge. Le troisième, c'est le crayon de couleur jaune. Maintenant, je vais mettre le crayon de couleur vert. Et le plus court de tous les crayons, c'est le crayon orange. Bravo, Yasmine, c'est très très bien. Tu as fait un très beau travail. Allez, au revoir les enfants. Bonne chance. Je vous aime tous très très fort. Au bisous à tous. Au revoir.